Bureau Sénat République la reconduit pour yon l'année encore selon yon résolution 14 sénateurs si un sous 20 qui en fonction yo qui était présent dans séance journée mardi a qui était consacré à élection. Gen sénateurs qui proche pouvoir tant que Wenceslas Lambert et Edwin Zeni qui approuvé résolution ça. Alors que l'autre élu qui fait partie en principe opposition parlementaire parmi yo sénateur Nipla Jean-William Gentil a co-présentant plateau central la sous bannière OPL Francisco de la Cruz pas appuyé décision qui prend en faveur bureau a. Dans le discours qui fait dans ces circonstances-là, président Sénat Simon de Soldera a accueilli avec satisfaction confiance collègue Lio placé dans lui. Parlementaire plateau central l'a annoncé l'apchita avec assemblée sur toute décision l'a bien pour le prendre. Simon de Soldera, dans le micro Eddie Jackson Alexis à Colin Hildorest. J'ai juré et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. L'intelligence politique et votre patriotisme, honorable père conscrit, sont les véritables déterminants du choix de ce bureau. Au cœur d'un combat dont les enjeux sont le fonctionnement régulier des institutions, la stabilité politique et le bien-être des populations, la tactique commande de maintenir au poste des acteurs déjà engagés. Notre mérite est celui de l'Assemblée qui a guidé, supporté et validé nos prestations. Aussi, nous vous remercions, collègues éminents, de la confiance que vous nous témoignez une nouvelle fois à la tête du Sénat de la République. Le bureau au nom duquel je porte la parole s'engage à assumer avec votre éclairage les écrasantes responsabilités dont il est investi dans les circonstances historiques actuelles. Je me fais le devoir de saluer l'esprit de corps qui a caractérisé le Sénat et lui bâtir une aura qui caresse jusqu'ici l'opinion publique malgré le manque de performance du Parlement dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Je soumets à la sagacité et à la clairvoyance de la docte assemblée qui nous maintient à l'avant-scène d'une actualité politique, sociale, économique, agitée de remous et de controverses, que nos prestations ne seront utiles à nos mandants et à l'efficacité des pouvoirs publics sans le culte de la discipline, de la rigueur dans notre travail quotidien de législateur avisé et visionnaire. J'exprime le vœu, honorables collègues, que vous marcherez main dans la main avec votre bureau pour un exercice réussi au bénéfice du peuple haïtien. Je vous remercie une nouvelle fois au nom de nos mandats et de chacun des membres du bureau pour votre confiance. Ensemble, nous avons gagné.